Êtes-vous curieux de connaître votre prédisposition génétique à l'obésité? Mea Medica propose un test de l'ADN de l'obésité qui peut vous aider à découvrir votre prédisposition génétique à l'obésité. Bien que l'obésité soit une condition complexe influencée par des facteurs de mode de vie, la génétique joue également un rôle important. Même si le lien n'est pas toujours évident, des variations génétiques dans divers gènes ont été associées à un risque accru d'obésité. Mais comment les gènes peuvent-ils influencer le risque d'obésité? Le corps humain possède des mécanismes qui régulent l'appétit, en informant le cerveau qu'il n'est pas nécessaire de manger davantage, créant ainsi la sensation de satiété. Ce rapport analyse les gènes impliqués dans ces mécanismes qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent faire en sorte qu'une personne mange davantage ou, au contraire, se sente rassasiée plus rapidement. Ce rapport inclut également des gènes qui déterminent la vitesse à laquelle les graisses sont décomposées et les calories sont brûlées, ainsi que des gènes indiquant si vous pouvez bénéficier d'effets protecteurs contre l'obésité en suivant un régime méditerranéen. En résumé, les gènes associés à un risque accru d'obésité influencent quatre aspects : régulation de l'appétit, consommation de calories, formation des cellules graisseuses, stockage des graisses dans les cellules graisseuses. Posséder ces informations peut aider à définir un mode de vie, des choix alimentaires et des exercices pour une meilleure gestion du poids. Penchons-nous de plus près sur les informations que vous pouvez obtenir de ce test de l'ADN de l'obésité. Le gène FTO a été le premier gène associé à l'obésité. FTO est l'acronyme de masse grasse et associé à l'obésité. La fonction exacte de la protéine FTO n'est pas complètement comprise, mais il semble qu'elle soit impliquée dans la régulation du poids corporel et de l'équilibre énergétique. Les individus porteurs de certaines variantes du gène FTO peuvent présenter des différences dans la régulation de l'appétit et les dépenses énergétiques. Certaines recherches suggèrent que ces variations génétiques peuvent entraîner une augmentation de l'apport alimentaire et une préférence pour des aliments riches en calories, ce qui peut contribuer à la prise de poids. Le gène MC4R est un autre gène associé à l'obésité, et il joue un rôle significatif dans la régulation de l'appétit et de l'équilibre énergétique. Ce gène code pour un récepteur responsable d'envoyer un signal au cerveau indiquant que la personne est rassasiée et n'a pas besoin de manger davantage. En conséquence, l'appétit est supprimé et la personne cesse de manger. Le gène MC4R présente des variations génétiques courantes qui peuvent perturber la fonction normale du récepteur et provoquer une dysrégulation de l'appétit, influant sur la susceptibilité d'une personne à l'obésité. Certaines variations génétiques dans MC4R ont été liées à un risque accru d'obésité, tandis que d'autres ont été associées à un risque réduit. Le gène LEPR est un composant important dans le contrôle du poids corporel. Il code pour le récepteur de l'hormone leptine, qui joue un rôle clé dans la régulation de l'appétit et du poids corporel. Cette hormone est principalement produite et sécrétée par le tissu adipeux. Lorsque les réserves de graisse dans le corps augmentent, les niveaux de leptine dans la circulation sanguine augmentent également. Cette leptine dans la circulation sanguine est transportée vers le cerveau, où elle se lie à son récepteur, le LEOPR. La liaison de la leptine au LEOPR envoie un signal au corps, indiquant que le corps dispose de réserves énergétiques suffisantes, favorisant une sensation de satiété et réduisant l'appétit. De plus, la liaison de la leptine à son récepteur favorise également la dépense de plus de calories, par exemple, en augmentant le métabolisme et la production de chaleur. L'effet combiné de la promotion de la dépense énergétique et de la sensation de satiété contribue à maintenir le poids corporel dans une certaine plage. Lorsque la signalisation de la leptine est perturbée en raison de variantes génétiques dans l'EPR, cela peut entraîner une augmentation de l'appétit et une réduction de la dépense énergétique, contribuant potentiellement à la prise de poids. En plus de ces gènes, vous pouvez trouver de nombreux autres et également des informations sur des régimes spécifiques, tels que le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est un modèle alimentaire caractérisé par une forte consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, d'huile d'olive, de poissons et une consommation modérée de vin rouge. Il a été associé à divers bienfaits pour la santé, notamment une réduction du risque d'obésité et de conditions connexes. Des études ont montré que les individus porteurs de variants APOA5 associés à un risque plus élevé d'obésité peuvent bénéficier de l'adoption d'un régime méditerranéen.